Good morgen, allez, Iden, les sutras, j'ai le nishmat. Mori, Rabbi Shmuel, ben Shlomo Zalman, ici, ben Nahouda, Sarah, ben Chana, Rachel, Shlomo, ben Esther, Richa, ben Chaim, Nechemia, ainsi que le refouat avoir mouru, ben Rehoud, betor, Shachol, Israël. Si vous souhaitez, vous essayez d'aider une prochaine étude de Mishnah, correcte, 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Zevachim, Perek Zayin, Mishnah Aleph. Chatat Aof, Shasa, Lemata, Kemase, Chatat, Leshem, Chatat, Kshira. Kemase, Chatat, Leshem, Ola, Kemase, Ola, Leshem, Chatat, Kemase, Ola, Leshem, Ola, Psula. Asa, Lemala, Kemase, Kulam, Psula. Mishnah relativement simple, mais qui a une redondance un peu lourde que le Mefarshim se fatigue beaucoup à donner une allure à cette Mishnah, en fait, à trouver des Chidushim, malgré les choses évidentes qui sont écrites, en fait. D'accord ? Vous allez comprendre le principe tout d'abord. Avant de commencer la Mishnah, il faut se souvenir. Chatataof et Olataof. Ouais, il faut maintenant bien connaître ça. Chatataof, c'est pour le pauvre qui doit apporter un korban chatat. La Torah, elle laisse la possibilité, parfois, dans certaines avérotes, d'apporter une volaille, Torim Obneyona, une tourterelle ou un pigeon. Et Ola Taof, on peut aussi faire une holocauste, une offrande qu'on offre tout pour Hachem, avec une volaille, Torim Obneyona, le même principe. Maintenant, dans le procédé de chacun des corbanotes, différence fondamentale. Chata Taof, on l'a fait par terre, en bas, pas sur la rampe, on l'a fait en bas, à côté du Misbéach, dans le coin, Drom, Maharav, Sud-Ouest. Là-bas, le Kohen lui fait la Melika avec son onglet de la gorge. Il asperge le sang sur le Misbéach, dans la partie inférieure du Misbéach. Et ensuite, le Khatat, le Korban, il est consommé par le Kohanim. À la Ola Taof, elle se fait en haut du Misbéach. D'accord ? On monte sur le Misbéach. Il faut dépasser la moitié parce qu'il y a une obligation de donner le sang sur la partie supérieure pour la Ola. Ouais, chaque Korban, il a sa limite où il faut donner le sang, il a son lieu particulier où il faut donner le sang, partie inférieure du misbéach, partie supérieure du misbéach. Pour le khatat, il faut donner spécifiquement sur les kranotes, sur les coins du misbéach, sur les quatre coins. Et donc chaque korban, il ne faut pas changer, sinon ça invalide le korban. D'accord ? Autre précision aussi à connaître, khatataof. On lui coupait un seul siman, mais on laissait la tête reliée. La Torah l'a précisé explicitement. Lo yavdil. Au malak était roche, je ne sais plus comment on s'est dit, hein, velo yavdil, et il ne devra pas la séparer. À la différence de la olataof, où il faut être mavdil. Mavdil, ça signifie qu'on lui fait sauter toute la tête. Il faut couper les deux simanim, en fait. Alors que dans un khatat, on ne coupe pas les deux simanim, on coupe un seul siman pour laisser la tête reliée. Ok ? Maintenant qu'on a dit tout ça, alors on va pouvoir commencer la Mishnah et comprendre le principe de la Mishnah. Je vous dis tout de suite, le principe c'est très simple, c'est de nous dire, on va commencer dans la Mishnah Aleph, il avait un korban khatat et il l'a mal fait, soit parce qu'il croyait qu'il faisait une Ola, soit parce qu'il s'est conduit, il a fait le procédé comme une Ola, mais en sachant que c'était un khatat, il s'est un peu embrouillé l'ami. Et alors la Mishnah va nous dire que ce sera pasoul selon le cas, et on peut tout de suite commencer à traduire avec une première phrase très originale qui me dit khatat haof. C'est le vin korban khatat haof, une volaille qui venait en guise de khatat. Chez Asa le Mata, il a fait en bas, sans monter sur le kevesh. Kemaase khatat, comme la mitzvah de la khatat l'implique, en lui coupant un seul de deux simanim. Et l'eshem khatat, au nom d'un khatat. Donc parfait, il a fait un khatat. Au nom d'un khatat, comme un khatat, parfaitement. Et bien, l'eshem me dit que shira. Le korban, il est kashira. Vous allez me dire. C'est très lourd de me dire une Mishnah pareille. C'est-à-dire, la Torah m'a dit, tu sais, tu dois faire telle et telle action. Et bien, si tu as fait telle ou telle action, c'est très bien. C'est normal, c'est évident. C'était ce que tu m'avais demandé de faire, c'est ce que j'ai fait. Ouais, vous entendez la redondance, un peu la lourdeur de cette phrase que les Mefarshim peinent à expliquer et à donner une allure. Je reprends juste l'explication du Tiferet Israël, qui est sympathique, qui nous explique que Tiferet Israël, en fait, que la Mishnah inclut en fait un chidouche. Vous savez que lorsqu'on a fini d'égorger un animal, une fois qu'on lui a coupé les deux simanim, il a, d'un point de vue halakhique, il a un statut de mort. C'est fini, il est mort. En théorie, on aurait même le droit de prendre de sa chair et de la manger. Je crois qu'il y a un interdit des rabbanan quand même de ne pas le faire, mais je ne sais pas, c'est un domaine que je ne connais pas tellement. Mais en tout cas, d'un point de vue halakhique, c'est sûr, la Torah nous permet de le manger parce qu'il est mort. Même si vous voyez un animal qui est en train de trembler. C'est tout le système nerveux qui donne ses dernières pulsions et il se met à trembler. Il est méfarques. J'ai oublié comment ça se dit en français, il y a un nom spécial. Ça m'échappe. Mais en tout cas, c'est pas grave. Ok. D'accord, il tremble. Et... Alors la Mishnah, maintenant, elle est venue m'enseigner. Sache que si tu as fait le khatat haof, selon le titre de Israël, si tu as fait le khatat haof, tu l'as fait la Melika,
l'a battu en lui coupant un seul de deux simanim. Et l'animal était en train d'être méfarkès. Et après, tu es revenu et tu as continué à couper l'autre siman, par exemple. Et ben sache que tu ne l'as pas rendu invalide. Parce qu'il était déjà cachère, tu l'avais de toute façon déjà égorgé. Après ce que tu as fait le reste, tu l'as pas mal fait. Comme ça, le Tiferet Israël propose d'interpréter cette phrase, donc cette première phrase de Mishnah qui est un peu trop évidente. Ok ? En tout cas, la Mishnah continue en enseignant. Kemaase chatat leshem ola. Kemaase ola leshem chatat. Kemaase ola leshem ola psula. Kemaase chatat leshem ola, c'est qu'il a fait, oh, comme le rituel du chatat le requiert, mais leshem ola, en pensant qu'il était en train de faire un korban ola. Donc la Mishnah va me dire que ça, c'est pas soul, c'est invalide. Ou encore, Kemaase ola leshem chatat. Il a fait comme le rituel de la ola le requiert, mais en pensant qu'il faisait un chatat. Donc là aussi, c'est invalide. Pourquoi ? C'est simple. C'est ce qu'on apprenait dans le Perek Vav, Mishnah Vav. Là-bas, on apprenait que lorsque tu fais le korban chatat, si tu coupes les deux simanim en même temps, ouais, eh ben, le korban devient pasoul. La Torah nous a insisté sur lo yavdil. Et tant que tu n'as pas versé le sang sur le misbéach, alors tu es obligé de te tenir à ce qu'on t'a dit de faire et ne pas changer. Et donc, s'il a fait donc kemaase ola, comme la mitzvah de la ola le requiert, c'est-à-dire qu'il a coupé les deux simanim, en pensant qu'il faisait les shem chatat, eh ben le korban est devenu lui aussi pasoul, il a été invalide. Comme ce que tu es d'accord, regardez la Mishnah, Perek Vav, Mishnah Vav, là-bas on apprenait Yvdil ba chatat v'lo yvdil ba ola psoula. Donc le korban il est pasoul. C'est ce qu'il écrit ici aussi. Donc kema ase ola, les shem chatat, c'est invalide. Idem encore, kema ase ola, les shem ola, à plus forte raison même. C'est d'ailleurs une redondance lourde que le Mefarchim explique et peine à expliquer. S'il a fait, ouais, je vous ai dit que s'il avait un korban khatat, qu'il a fait, soit qu'il a fait comme une khatat, mais au nom d'une ola, soit qu'il a fait comme une ola, mais au nom d'un khatat, c'est déjà pas soul. À plus forte raison, s'il va faire le khatat aof comme une ola, et au nom du ola, que ça va être à plus forte raison, pas soul. D'accord ? C'est développé dans les Rishonim, comme expliqué. Dans les Mefarchim, vous n'avez qu'à voir le Tiferet Israël, ce qu'il propose. C'est un peu trop compliqué pour l'expliquer. Ça va allonger le cours, donc je préfère pas faire. D'accord ? Il y a une réponse simple, c'est de dire que, comme ce qu'il dit le Tiferet Tosfot Yom Tov, on a voulu garder une certaine symétrie dans les phrases, donc on a dit, on a tout dit. Donc le Coran, il est devenu pas soul. La Mishnah continue en enseignant aussi. Asa le mala kema se kulam psula. S'il a fait en haut du Mizbeach, c'est-à-dire, il est monté avec le khatat sur le kevesh, et il a fait là-bas le khatat aof, il a abattu, et aussi il a versé son sang là-haut. Et après il a descendu par la donnée au Kohanim. La Mishnah, donc Asa les Mala, il a fait en haut, Kemaase Kulam, quel que soit le rituel qu'il a adopté, s'il a pris le rituel du khatat ou de la Ola, tant qu'il est resté bien sûr le Shem Khatat, et bien malgré tout le Korban il est devenu Pasoul, invalide. D'accord ? C'est normal. Comme ce qu'on avait dit, il y a, lorsque la Torah te demande de verser le sang dans la partie inférieure, tu n'as pas le droit de le verser là-haut, et si tu l'as versé là-haut, tu as rendu le korban invalide, et inversement, si tu dois le faire là-haut, et tu l'as versé en bas, le korban est invalide aussi. Question très jolie du Tiferet Israël, c'est que finalement, il s'avère que, regardez, dans la Mishnah, à part le kshera de la première partie de la Mishnah, on a pris trois cas de figure où il y a marqué pasoul, et un quatrième cas de figure où il y a marqué pasoul. Question du Tiferet Israël, pourquoi tu ne dis pas les quatre en même temps, et tu me dis à la fin pasoul? C'est important de garder un style léger et symétrique dans la Mishnah, d'avoir des phrases. Tu me dis, Kemaase Khatat Leshem Ola, Kemaase Ola Leshem Khatat, Kemaase Ola Leshem Ola, Asa Le Mala, Kemaase Kulam, Psula. Pourquoi tu as eu besoin de les couper, de mettre les trois à part et un tout seul? Et le Tiferet Israël nous rapporte une réponse très importante. Super. Il y a une halakha qui me dit que lorsque je te demande de verser le sang quelque part, de défini, en bas du Mizbeach, dans la partie inférieure, dans la partie supérieure, sur les coins, et que tu t'es trompé, tu l'as versé ailleurs, sache que malgré tout, le propriétaire s'est acquitté du devoir d'apporter son korban. Certes, les kohanim ne pourront pas le manger, ne pourront pas le consommer si elle a été mal faite, mais malgré tout, le propriétaire s'est acquitté de son devoir. De ce fait, à la différence des trois premiers cas de figure, où lorsque je dis psoula, ça implique pasoul, c'est complètement invalidé, ça a été foiré, raté complètement, il faut rapporter un autre khatat, et il va falloir celui-là le sortir en dehors, à l'extérieur du Beth Amikdash pour le brûler, et bien là, la Mishnah m'enseigne que sache que lorsque tu l'as fait en haut, alors c'est vrai que c'est pas soul, les Kohanim ne pourront plus le manger. Mais malgré tout,
C'est pas le même psoul qu'il y avait. Ça n'a pas été envenimé de la même manière, étant donné que cette fois-ci, le propriétaire s'est quand même acquitté de son devoir d'amener le korban. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.